Oui, youpi, wouh! Alors, vraiment, le dernier épisode avec le monolithe, ça m'a un petit Je peu détecte gonflé. une température inférieure à la normale. Mais du coup, on a pour objectif de terminer les monolithes et du coup de rendre normalement toute sa splendeur à cette planète. Enfin, en tout cas, on va la réchauffer. Et je présume que ça va faire comme Eos, où ça va prendre un peu de temps pour que ça soit réchauffé à 100%. Techniquement, au niveau des quêtes, on a terminé tout, à part inspecter la grotte de glace qu'on fera juste après si tout va bien, ou enfin tout dépend comment on va se passer le caveau, parce que je sais pas du tout si on va le faire. Mais globalement, les Kert sont très mal en point puisqu'ils auront quasiment plus de renforts. Enfin, on a détruit leur base principale, ce qui est plutôt cool à ce niveau-là. On a quasiment tout activé, donc voilà, là on va activer le dernier monolithe et après on va passer dans le caveau. Un objectif bel et bien complexe au final. On se les fait. Oh non, ils vont crever de toute façon. Et pour l'instant, la viabilité, voilà, n'est absolument pas à au moins 50%. Moi, je veux atteindre les 50% minimum, histoire de vraiment être sûr que, eh bien, on puisse bien la coloniser. Alors bien sûr, vu qu'il y a déjà les Angara, on va devoir vivre en harmonie avec eux. Du coup, bon. Hein? Alors déjà, il faut arriver à trouver l'entrée. Comment vous choisissez vos éclaireurs? Ce sont des volontaires ou vous les recrutez? Les deux. Certains entendent parler de moi, ils viennent me trouver, et si leur tête me revient, je les engage. Si leur tête vous revient? Mais c'est pas un concours de beauté, hein. Si vous avez l'air de vous être pris une navette en pleine face et que vous tenez encore debout, je vous prends. Bien vu ça, Drac. Oui, c'est bon. Vous voyez, là, normalement, t'as vu, ça a fait un bip-bip. Et moi, la manette vibre. Et ça n'avait pas fait pour l'autre sigle. Merde, attendez, je descends, mais est-ce qu'il n'y en a pas? Ouais, il y en a en haut. Avec ceci, nous devrions avoir tous les glyphes nécessaires. Bon, et eh ben c'est reparti pour un je l'ai pas. Alors, je l'ai pas. Je l'ai. Donc ça peut être que celui-là. Du coup, je l'ai. Je l'ai pas. Je l'ai. Je l'ai pas. Je l'ai, donc ça peut être que celui-là. Donc du coup ici, nous l'avons et nous l'avons pas. Bon, jusque-là on est open. Donc du coup, je l'ai, je l'ai, je l'ai pas. Donc du coup ici, c'est celui-là qu'on n'a pas, puisque les autres, lui on l'a, lui on l'a, lui on l'a, lui on l'a. Donc oui, c'était bien lui. Donc ici, ça peut être. Ça peut être celui-là, c'est pas impossible en tout cas. On va plus. Oui, on va mettre celui-là. Parce que ici nous l'avons. Ici on l'a. Le Y on l'a. Celui-là on l'a. C'est lui qu'on n'a pas. Et ici, oui, c'est celui qu'on n'a pas. Donc ici, on l'a pas. On l'a, on l'a pas, on l'a, on l'a pas. Ça peut être celui-là ou celui-là. On va partir sur celui-là pour l'instant. Eh ben oui, eh ben non, c'est l'inverse. Y, et voilà. Là, ça paraît cohérent, et du coup, ici, c'est celui-là. Donc ici, ça peut être. Oula, attendez, pourquoi j'ai deux fois le même là? Attendez, j'ai fait une connerie. Ou alors je l'ai changé sans le faire exprès? Eh non, c'est ça. Ah bah oui, non mais en haut alors. Ça peut être que ce. Lui-là. Non. Non plus. Attendez. On l'a. Il est là. Le Y, on l'a. Celui-là, on l'a. Ah bah alors, c'est qu'ici. On l'a. On l'a, on l'a, on l'a. Et
Oh là, putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, réinitialiser. Putain, culé de truc de merde. Ça peut être soit lui, soit lui. On part sur celui-là pour l'instant. On part sur celui-là. Alors attends. Donc lui on l'a. Lui on l'a. Lui on l'a pas. Lui on l'a. Et lui on l'a pas. Donc on part sur un Y, on imagine. C'est lui. Donc du coup, Y. Voilà. Y, on l'a. Lui, on l'a. C'est lui qu'on n'a pas. Donc du coup, ici. Voilà. 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 C'est le seul qu'on n'a pas. Ah, ça peut pas être lui, parce qu'on l'a. Donc ça peut être lui. Ça peut être que lui. Donc ici, ça peut être que le Y. Ici. Oh non, ça peut pas être lui. Ça peut être que lui. Donc ici, on l'a, on l'a. Et on l'a pas. Si on l'a, on l'a. Attendez, on l'a. On l'a, on l'a. Ça peut être que lui ou lui. Ici, ça serait donc du coup lui. Donc, du coup.
Mais non, ça peut pas être lui, de le dire. On va dire qu'il nous reste 10 minutes. Voilà! On a débloqué le monolithe. Et maintenant, on va inspecter le caveau. Oui, j'ai utilisé la clé de décryptage. J'en avais la flemme. Ça me gonflait. J'ai été. Mais bon, c'est ma faute. En fait, non, en fait, en réalité, je me suis trompé de touche. Alors, le caveau, il est où? Il est là-bas. Est-ce que je peux me TP un peu? Non, on peut pas. Faudra que j'apprenne à mémoriser mes touches parce que ça me trouve plus quoi. Je voulais faire Y et j'ai fait X, pour pourquoi. Bon, enfin bon, du coup c'est fait, on va pas. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Cool. Sam, rien d'anormal concernant les champs de bataille qu'on a trouvés. J'ai l'impression qu'on a raté quelque chose. Analyse de la distribution géographique, du degré de décomposition des corps et des informations fournies par les données. Il y a une forte probabilité que les combattants de la résistance se déplacent dans la direction que j'ai indiquée sur ma carte. C'est ça que tu voulais dire. Et c'est où? Il avance pas le nomade, nomade, il avance pas le nomade. Mes chers amis, nous revoilà dans un caveau. Les systèmes de survie sont stables. Voilà un caveau, remettons-le en route. Voilà, what else? Je veux dire, c'est... Oh! On va dire que j'espère que par rapport à l'autre, il sera pas endommagé, quoi. Ou alors peut-être que... Oh oh. Bon, le courant est rétabli. Vous devrez localiser la console permettant l'activation du champ de purification pionnière. Le niveau des systèmes de survie est critique. Mettez-vous en sécurité. Ah, parce qu'on se gèle les couilles là? Pionnière, ceci affectera votre bouclier. Et du coup, on fait comment pour y aller? Ah voilà, faut peut-être aller là-haut, je suis con. Les températures sont négatives et continuent à chuter. Ah bah oui, je suis con, putain.
Ah oui, il en fait très très froid en fait. La température chute plus vite que dehors, quoi. Vérification environnementale. Il va falloir faire un choix. Je détecte une température normale, pionnière. Plusieurs interfaces convergent dans cette zone. Les systèmes de survie sont à leur limite. Je détecte une importante chute de la température. On devrait trouver comment atteindre ça en fouillant un peu. Je détecte un froid extrême, pionnière. Oh là là. En fait, j'ai fait tout à l'envers, c'est cool. Voilà, tu pourras faire une méga ellipse, hein. Tu pourras supprimer largement. C'est ça. Ibi sera ravi d'apprendre que vous avez trouvé un autre de ces dispositifs. Et du coup. Les températures sont négatives et continuent à chuter. Cible abattue. Problème.
batterie. Je recharge. Bon, en fait, je suis vraiment navré, j'ai rien compris à ce caveau. J'ai tout essayé j'ai vraiment essayé ce qu'il disait, et enfin, il disait rien, donc je me suis un peu démerdé. Au final, bah, j'ai réussi à le débloquer, je ne sais comment. Donc, quand j'ai récupéré le truc de Pibi, ça l'a débloqué, mais il fallait tuer tous les ennemis en fait. Ouais, essayer de nous tuer, tu veux dire? Bon, préparez-vous à courir. Oh, le voilà! On fonce! Ben voilà, ça c'est fait. Mais putain, mais cours! Ah, donc voilà, on arrive enfin à te voir s'échapper. Alors que bon. Bon, du coup, la température cette fois est acceptable. D'autres ennemis. Voilà, les ennemis, j'en ai un peu rien à secouer. Mais non, mais... De quoi ressort les armes toutes seules? Mais n'importe quoi ce jeu, mais il est... Oh là là, je cours et puis elle sort ses armes. Bon, ouais, je sais pas. Putain, et ce cas... Enfin, c'est... Hein? Cette console activera le champ de purification. Il serait peut-être plus sage d'explorer la zone avant. Avant que ça essaie de nous tuer, tu veux dire? J'en ai rien à secouer. Bon, préparez-vous à courir. Ça passe pas. Le voilà, c'est dommage, hein, ça pourrait, hein, c'est... D'autres ennemis. Ah oui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pas de vie, hein, j'ai tellement perdu de vie que... Alors en fait, quand ils disent découvrir, en fait, c'est qu'il y a des trucs à découvrir, mais ouais, mais le souci, c'est que... Il y a des trucs que je peux rien faire. Merci. Alors, vu qu'elle veut sortir absolument les armes, alors qu'il y a des fois tu les as pas sorties, elle dit rien, même s'il y a des ennemis. Ils ont eu Cora. Eh ben, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Merde, voilà. C'est toujours aussi terrifiant. Sortons d'ici. Voilà. Voilà! Tu le vois celui-là? Ah non, mais vraiment un enfer ce jeu quand il veut en fait. Hein. Compétences, alors du coup. Ah oui, arme. J'avais dit arme. Donc arme. Plus 80.
Voilà, il m'en reste plus que ça. Cora fait péter le champignon. Elle aurait pu être invulnérable, mais autant. Ah bon, j'ai pas le droit. Disponible une fois que vous aurez accompli une mission personnelle pour Cora. Ah. Mission personnelle du genre. Je comprends pas tout là. C'est des missions personnelles à faire pour eux. Ah, c'est d'où le fait est que j'ai reçu un email de leur part. Moins 50 en cas d'esquive et perte de santé. Ok, c'est que de la merde en fait, les modules de machin, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, cet épisode, je sais pas du tout comment je vais faire, parce que je vais devoir faire une énorme ellipse, mais je sais pas en combien de temps je suis déjà à l'heure actuelle. Enfin, je sais que j'ai dépassé les 1 heure le temps de fouiller, mais bon, ça veut dire ça fait quoi, 20 minutes ou 30 minutes à peine. A augmenté de 13 degrés depuis l'activation du caveau. La dispersion de la couverture nuageuse permettra la réception d'énergie solaire en quantité importante. On peut s'installer ici maintenant. Donc du coup, vous savez quoi, on va terminer en beauté sur ça. Voilà, on va trouver, enfin on va activer l'avant-poste, ça sera fait. Comme ça, il y aura un peu de blabla, je pense que ce sera bien pour terminer. Extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Ça, c'est lourd par contre, qui se répète. C'est bon, tu l'as dit une fois, c'est un peu dommage. Bon, ça, c'est quelques points négatifs. Et du coup, je me gourre parce que normalement, si je dis pas de conneries, c'est de l'autre côté. Ouais, mais laisse-les s'amuser avec les mecs. Enfin bon, n'empêche, je suis pas mécontent de terminer ce truc, parce que ça a été pas très glorieux, ça a été un enfer pour moi. J'ai cru que j'allais devenir fou. Au travail. Ah oui, vous allez me dire, bah, là, il faut réfléchir un peu. Ouais, non, mais je veux dire, tu passes d'un truc où c'est un peu... Et on te laisse tout d'un coup comme si genre tu... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça perturbant en fait. À l'installation d'un avant-poste de l'initiative pionnière. Voilà. Venez tous mourir gelés. Venez, c'est cadeau. Félicitations, pionnière. Nous en avions bien besoin. Et vous avez relevé le défi. Madame la directrice, vous ne venez même pas en personne? L'établissement d'un nouvel avant-poste, ce n'est pas rien. Non, je vous remercie. Je préfère la climatisation à ces extraits. Je vais être franche, pionnière. J'ai déjà le gouverneur Shai sur le dos à cause de cet avant-poste. Une chance que les Angara d'ici nous soutiennent. Est-ce bien le cas? Vous avez déjà fait beaucoup pour nous, mais nous ne pouvons pas nous permettre de mauvaises relations de voisinage. Ouais, on va dire ça tout plutôt. Va bien, madame. J'ai passé en revue quelques points de la checklist. Vous aimez jouer. Parce qu'on sait pas trop si c'est vraiment le cas. Vous obtenez des résultats. Et je respecte cela. Aussi froide soit-elle, Volt fait pencher la balance en notre faveur. Mais l'initiative a besoin de plus d'avant-postes. Bah, attends, déjà j'en ai deux. Avoir fini, bien entendu. Survivre demande un investissement sur le très long terme. Et il nous reste encore une formalité à couvrir. Un discours pour les archives. C'est vraiment le moment? Les pionniers sont des symboles, tout comme les drapeaux d'avant-postes dans la zone commune. Les gens ont besoin de savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Expliquez-leur, pionnière. Que représente tout ceci? Ouais. Zed est une planète hostile, mais elle n'est pas dépourvue de vie. Elle a une histoire, des habitants. Elle mérite qu'on se batte pour elle. Nous ne nous confrontons pas à l'inconnu. Nous prenons part à quelque chose. C'est bien mieux que tout ce que nous pouvions espérer. C'est enregistré, pionnière. Terminé. Je peux toujours pas la blairer, hein. Eh bien...
J'ai envie de dire, voilà mes petits loulous. Ah bah attendez. J'ai localisé un site approprié pour un récepteur SIH pionnière. Coordonnées ajoutées. Je suis contente que vous soyez là. Je pensais qu'on devrait gérer ça tout seul. Quel est le problème? Ce sont les cartes? Non, enfin je ne crois pas. Quelques-uns de mes foreurs ont disparu lors d'une expédition de recherche à l'ouest d'ici. On a essayé de les contacter, mais on ne reçoit que des grésillements. Vous savez où ils allaient? Je connais l'itinéraire, mais on a perdu leur signal à mi-chemin. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés. On a essayé de consulter leurs notes de recherche, mais les données sont corrompues. On n'a aucune piste. J'étais censée protéger ces gens. J'ai déjà échoué dans ma mission. Ouais, t'inquiète. Pas espoir. Je vais retrouver vos hommes. Mort ou vif ? Ça vient de vous, je suis obligée d'y croire. Leur journal de recherche est dans le labo. Votre IA pourra peut-être reconstituer les données corrompues et obtenir des coordonnées. Bon, on va finir avec ce texte. Mais qu'est-ce que l'initiative attend de Völd ? Regardez le paysage. Qu'est-ce que vous voyez ? De la glace. Beaucoup de glace. De l'eau. Völd est une immense source d'eau intarissable. On est fiers d'être les premiers fournisseurs de glace de l'initiative. On extrait la glace ici et on l'envoie aux colonies qui manquent d'eau. Coméos. Même le Nexus. Plus on réveillera de gens, plus on aura besoin de ressources. Nos fournisseurs de glace veillent à ce que l'eau ne soit jamais un problème. C'est beau. C'est beau à ce qu'elle dit, c'est beau. C'est un nom pour cet avant-poste. C'est du Shelesh, la langue des Angara. Ça veut dire « avancer ensemble ». Ça représente les liens qu'on a noués avec les Angara de Völd. Ravi de voir que vous collaborez. C'est leur planète. Grâce à vous, ils nous font suffisamment confiance pour nous accorder une place dessus. Maintenant, c'est à moi de consolider ce lien. On fera de notre mieux pour se montrer digne de ce qu'ils nous ont donné. Vous étiez dans l'Alliance, vous aussi ? J'étais officier de l'Alliance pendant 10 ans, jusqu'à ce que j'en ai marre de n'être qu'un pion dans les jeux de... J'ai entendu parler de l'initiative et je me suis dit que ce serait un nouveau départ. L'occasion de faire vraiment bouger les choses. Est-ce que l'Alliance vous manque, parfois? Si c'était à refaire, je prendrais exactement la même décision. Mais quand je vois la Résistance lutter contre les Kert, je me demande si mes jours de soldat sont vraiment terminés. Je dois dire que ça m'étonne que les Angara nous aient laissé installer un avant-poste ici. Une partie de la glace qu'on extrait est envoyée à leurs forceurs de blocus, qui la portent aux bases de la Résistance dans tout le secteur. De l'eau pour leurs soldats. Ça fait plaisir de participer à la lutte contre les cartes, même de façon minime. Je dois y aller. Revenez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bon, ben mes petits loulous, c'est sur ce qu'on va s'arrêter. Il faut choisir une vraie pause parce que je commence à faillir pas mal après cette épopée pas très glorieuse. J'ai encore pas mal de quêtes à faire ici, hein, pas fini, regardez ça, il y a ça, fouiller le laboratoire, placer un récepteur sur vol, après il faut terminer de rendre les quêtes, il faut aller à l'inspecter la grotte de glace, il y a toutes les quêtes à rendre, c'est loin d'être terminé, mais bon, on a pas mal avancé, et ça je suis content, donc sur ce mes petits loulous, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir, je vais le raccourcir au maximum, hein, je vais vous éviter toute la recherche, parce que j'en ai bavé, et puis sur ce, bah, à plus. Tchuss.